Diane? Non, non. Mais où vas-tu? Je dormais plus. Je vais aller me faire ma piqûre. Je viendrai te réveiller tout à l'heure. D'accord. En tout cas, je pense que c'est vraiment la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée. Tout un pétard, hein? Ma mère disait que la beauté, c'est toujours dans l'œil de celui qui regarde. Voyons, maman, c'est un dicton qu'elle avait inventé parce qu'elle avait un gros nez. En tout cas, Véro, elle se laisse regarder. Plus sexy que ça, tu meurs. Ses yeux sont... J'espère que vous couchez pas ensemble, Clément Fortin. Puis, qu'est-ce que ça ferait? Ben, t'es trop jeune. Ben, voyons donc, maman. À l'école, il y en a qui font ça depuis 4, 5 ans, même. Avec toutes les maladies qui courent? T'es en bonne santé, puis on se protège. Mais elle? Elle est en bonne santé aussi. Maman, les microbes, ça saute pas sur le monde. Tu lis pas les journaux, toi. Tu regardes pas la télévision, toi. Dis-y, Marcel! Elle s'appelle comment, cette fille-là? Véro. Je l'ai dit tout à l'heure. Véro, c'est pas un nom. Véronique. Niaise-moi pas, Clément. Je le sais que Véro, c'est Véronique. Véronique qui? Pire qu'à la police. Véronique Chartier. La fille qui travaille au poste de télévision pour les vacances? Oui. Véronique Chartier, ça s'appelle Potouche, Clément Fortin. Comment ça? Parce que c'est la fille du boss. Puis quand on veut garder sa job, la fille du boss, ça s'appelle Potouche. T'es jaloux. En tout cas, si jamais je te prends avec elle, Clément, tu vas avoir affaire à moi. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille-là? Elle est pas correcte? Ça n'a rien à voir, maman. Qu'est-ce qui va m'arriver, moi, s'il fait des bêtises avec elle? Puis je vais en être quitte pour me trouver un autre emploi. Le travail et le plaisir, on mêle pas ça. C'est vrai que c'est un mélange délicat. Délicat? Mazin, c'est comme jouer avec le feu quand t'as des allumettes. Ouais. Lundi soir à 22h, on reçoit Michel Sardou en chantant. Soyez devant le téléviseur, vous allez avoir une heure de bon temps. 7 jours, des entrevues extra, Madame 7 jours, le nouveau cahier Hollywood. Cette semaine, une entrevue exclusive avec Rock Voisine, l'inconnu qui a bouleversé sa vie et a gagné l'un des 1000 billets de 10 dollars brochés dans 7 jours. 7 jours, tellement captivant qu'il est préférable de le lire assis. La nouvelle Talon TSI Turbo, à transmission intégrale, tout feu, tout flamme. La nouvelle Talon TSI Turbo à transmission intégrale. Elle mord la voûte quand on la provoque. La famille des Paulins, Gaileron. Tartine de lait. Brille-lait. La famille des pains au lait Gailuron, blanc ou blé entier. Essayez-le. C'est parfait, les enfants. On est prêts? Ça va être formidable. Nous sommes prêts. Que le spectacle commence. Je suis prête. On le refait? Quand tu veux. Êtes-vous prêts? Je suis prête, mais il manque juste quelque chose. Vous autres. Êtes-vous prêts? Ben, décollez-vous un peu. 1300 spectacles vous attendent au Québec. Profitez-en, obtenez un passeport et vivez une foule d'émotions. Bon spectacle! TV 7 jours, plus complet, 64 pages couleurs, maintenant dans sa nouvelle reliure. Cette semaine, un spécial prix Gémeaux. 31 nominations pour Blanche et les grands procès, plus votre signet détachable. TV 7 jours, gratuit à l'achat de 7 jours. TV 7 jours, un modèle de téléhoraire. Rock
voisine, choisis TVA. Deux rendez-vous. D'abord le 28 septembre, Claire Lamarche reçoit Rock Voisine. Et le 29 septembre, en direct du complexe des Jardins. Assistez au lancement de l'album Coup de tête, Rock Voisine. Mon petit caprice à moi. Bonjour. Bonjour, t'as bien dormi? Oui, merci. C'est fait aujourd'hui? Non. Pourquoi tu dis ça? Ben, à cause de la table. Elle est si bien mise. Ah, non, non, comme d'habitude. Assieds-toi, je t'apporte tes tosses et ton café. Merci. T'as déjà mangé? Après ma piqûre, j'avais faim, alors j'ai déjeuné tout de suite. Merci. Giovanni, ce que j'ai à te dire... Je le savais qu'il y avait quelque chose. Ce que j'ai à te dire te plaira pas. On m'a offert la gérance des taxis Rosemont. Des taxis Rosemont? Qu'est-ce que tu connais au taxi? J'ai déjà été répartitrice, dispatcher au taxi Rosemont. Et puis? J'ai accepté. T'as accepté? Et mon buffet? Qui va s'occuper de gérer mon buffet? Je suis désolée, Giovanni, mais je trouve ça trop compliqué de mêler le travail et le plaisir. Et qu'est-ce que tu veux dire? Travailler avec son patron puis avoir une aventure avec lui, je trouve ça trop difficile et je suis plus capable, tu comprends? Non. Mange, tes toasts vont froidir. On en reparlera tout à l'heure. Ils vont te payer plus que moi? C'est pas une question d'argent, je te jure. Mange, mange. Mais c'est quoi, alors? S'il te plaît, mange. Tout à l'heure, OK? Bon. D'accord pour cet emploi au taxi Rosemont, mais... J'ai l'impression que c'est pas la seule chose que t'as à me dire. Non. Tu veux qu'on cesse de se voir, c'est ça? Pourquoi? Je suis bien avec toi, Giovanni. T'es gentil, t'es doux, t'es tendre. T'es même le premier homme que je rencontre qui me traite avec autant d'attention, mais... Mais tu m'aimes pas. Je t'aime bien, Giovanni. Mais pas assez pour vivre avec toi, tu comprends? Oui, j'ai l'impression que je comprends. C'est pas facile. Cet été, ça peut toujours aller. Mais Alexis va revenir du Costa Rica et ça va devenir compliqué. Mais je m'entends très bien avec Alexis, tu le sais. On est même devenus des bons amis. Maintenant qu'il a connu son père, ça risque d'être différent. T'aimes pas mieux attendre son retour et voir comment les choses vont se passer? Ta décision est définitive. Tu sais, Diane, le problème, c'est pas vraiment Alexis. C'est ton mari. Mais voyons donc, mon mari. Fait longtemps que j'y pense plus. On s'est pas vu depuis presque 15 ans. C'est vrai. Mais ce qui t'a fait, tu l'as jamais oublié, par contre. Tu veux plus prendre le risque d'être amoureuse, et... Et quoi? Et Alexis te sert de prétexte. Le collant, c'est pour qui? Ah, mais c'est pour ma blonde. Ah, à votre santé, mademoiselle. C'est la maison qui vous l'offre. J'espère qu'on vous verra le plus souvent possible. Merci, vous êtes bien gentil. Il est drôle, hein, ce gars-là? Ah oui, mais quand je le connais, il est bien correct. Mais maudit qu'il était avec les filles. Les vieux, là, sont tous pareils. Tu devrais voir mon père quand j'amène mes amis de filles à la maison. C'est juste qu'il faut pas y attacher les mains puis mettre un zipper sur la bouche, tu sais. Ta
Il arrête pas. Puis quand on est toute seule à la maison, maman puis moi, là, pas un mot. Moi, je sais pas ce qu'il ferait, mon vieux. J'ai jamais amené de fille à la maison. Pourquoi? Comme ça. Je m'entends pas super bien avec mes parents. Moi non plus, mais c'est ce que je veux. Mon père, là, il voulait pas que je sois engagée au poste communautaire. Ça fait que je suis engagée sur un autre nom. Ça a pas été dur, j'ai dit que je voulais pas être payée. Ah, t'es pas payée? Mmh. Comment tu fais? Pourquoi? Ben, pour tes petites dépenses. Mmh. Le vieux me donne 100 pièces par semaine. Il est tellement straight. Ma mère me donne un autre 100 pièces par semaine, ça fait que j'arrive. 200 pièces par semaine? Oh oui, oui, mais mon linge, les cosmétiques, les affaires de même, là, je mets ça sur la carte de crédit de maman. Mmh. Une couple de centaines de pièces de plus par mois, ça ne rend même pas compte. On riche en s'il vous plaît, tes parents? Oh, moins que d'autres. Ça doit être le fun d'être plein de monde. Oui, puis non. Toi, tes parents, ils sont comment? Mmh. Ordinaire. Super ordinaire. Ils ratent tout le temps. T'es correct, pareil. Bon. À part ça, là, je te trouve drôle. Ben, ce que j'aime, c'est que t'as l'air vrai, tu sais. T'es pas riche, mais t'essayes pas d'en faire à croire. Moi, je pourrais pas vivre dans une famille pauvre, mais je trouve pas que c'est un défaut, par exemple. One, two, three, four. Big fait la pluie sur le trottoir. Toc fait mon cœur qui bat pour toi. Tic fait la pluie dans la nuit noire. Toc fait mon cœur en plein émoi. Hey, c'est fun ça. One, two, three, four. Tic fait la pluie sur notre étoile. Toc fait mon cœur qui bat pour toi. Tic fait la pluie dans la nuit noire. Toc. Fais mon cœur en plein émoi. Hey, c'est génial. Tic, fais la pluie sur le trottoir. Voulez-vous quelque chose à boire? Non, merci. J'ai pas tellement l'habitude de faire mes consultations à la maison comme ça, mais vous étiez tellement intéressé, puis j'étais encore en plein déménagement. Oh, vous êtes bien aimable. Je vous remercie d'avoir accepté de venir. On commence? Oui. Bon. Je vais sortir votre dossier. Oui. On avait déjà vu. Non, excusez-moi, ça, je vais vous la laisser, vous savez. C'est à vous, il n'y a pas de problème. J'étais curieuse, excusez. Ah bon, si je me souviens bien, l'endroit où on s'était laissé, c'est qu'on avait déjà terminé la partie sur la personnalité. On avait dit de vous que vous êtes une personne assez terre-à-terre, vous avez des forts besoins de sécurité financière, mais qu'en même temps, vous êtes une personne de charme. Alors, vous utilisez dans la communication le charme, les louvoiements et, il faut le dire, parfois les faux fuyants. Alors, ça peut vous nuire un petit peu. Votre position de Vénus en Capricorne fait que vous avez une conception de l'amour un peu pragmatique. Mais, en même temps, ça vous donne une espèce de charisme ou de charme qui font que les gens sont attirés vers vous, soit des hommes ou des partenaires d'affaires. Le fait marquant de votre carte au moment où on se parle, c'est que vous amorcez une toute nouvelle période dans votre vie. Ah! Ça, c'est très important. Ça se produit pas toujours. Oui! Oh, c'est excitant! Oh, wow! On va partir ça maintenant. Comme ça, oui. Vous allez pouvoir écouter tout ça bien sérieusement plus tard. Mm-hmm. Quand je parle de nouvelle période, c'est que tous les choix que vous faites actuellement ont un impact pour les 7 prochaines années. Et ça veut dire que vous avez présentement à utiliser ce que vous avez appris l'année dernière. Alors, moi, j'ai l'impression, quand je regarde votre carte, que vous avez à améliorer le dialogue avec votre fille. Vous avez aussi à établir un discours plus clair avec les hommes. Puis, en général, de vous servir de votre charme d'une meilleure façon. Alors, c'est toutes des choses pour autour de la communication. Ça tourne tout autour de la communication, mm-hmm. ça. Mm-hmm. Ce qui est bien intéressant, puis je vais vous le montrer ici, c'est... Ça, c'est quand vous étiez enfant, juste au-dessus de votre tête, dans votre carte du ciel, on voit présentement la planète Jupiter. Et ça, c'est important parce que ça se produit uniquement une fois à toutes les 12 années. Alors, Jupiter, c'est un symbole d'ouverture, c'est un symbole de chance, c'est un symbole d'opportunité sociale. Alors, c'est très bon pour vous.
ça contraste beaucoup avec d'autres côtés de votre carte parce que vous avez une tendance à être un petit peu stiff ou un petit peu contrôlante. Alors, ce qui vous est demandé présentement, c'est d'être réceptive et puis d'être disponible aussi. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, si vous avez l'œil ouvert dans votre travail cette semaine, vous pouvez faire d'excellents marchés dans l'import-export. Il n'y a rien qui interdit de penser non plus avec la présence de Vénus à côté de Jupiter que vous rencontriez un homme, soit à travers votre travail, soit quelqu'un de l'étranger, parce que vous êtes dans l'import-export. Comprenez-le? Bon. Ce qui viendra après, ce que je vous dis, c'est pour le mois prochain. Mm-hmm. Alors, ce qui viendra après, c'est février, mars, avril, autre période importante. Et là, on parle beaucoup de bouleversements dans votre sexualité. Alors, quelque chose d'assez intime, mais fait par un homme ou une personne qui est dynamique, extraverti, démonstratif, quelque chose qui a du lion dedans. Et ça, c'est février, mars, avril. Alors ça, ça couvre un petit peu ce qu'on avait dit pour les prédictions. Oui. Si je vous résume ça en deux mots, c'est une année, en général, pour laisser sortir la fille flyée dans le voile, le côté extroverti, tout en faisant, comblant les besoins de sécurité, puis faisant des choses stables. Et la condition pour réunir ces deux côtés-là de votre personnalité, c'est d'être, de faire les choses avec plaisir et d'être disponible. Alors, c'est bien important, ça. C'est extraordinaire. Oh, je suis tellement contente, monsieur Pilon. Je suis tellement contente. Ça fait assez longtemps que je voulais tout connaître sur mes astres. Combien je vous dois, là? On a dit 90 pour la carte, 30 pour les autres calculs, 120. Je peux vous faire un chèque? J'ai de l'argent aussi. Moi, s'il vous plaît, je préfère. Bon. Est-ce que vous êtes célibataire? Oui, mais j'ai quelqu'un dans ma vie. Oh, c'est dommage. Je vous trouve beau. Ça doit me gêner, là. Si le nez vous chatouille et que vous reniflez un peu, c'est un rhumatismus. Ça va passer. Mais si votre nez devient complètement bouché, et que la tête veut vous fendre, c'est un rhume de sinus. Dristan soulage rapidement la congestion nasale et les maux de tête dus au rhume de sinus. Quand un rhume de minus devient un rhume de sinus, prenez les comprimés Dristan et respirez par le nez. Il s'est joint à l'équipe de l'usine Saturn parce qu'il avait entendu dire que chacun y était responsable et devait s'engager personnellement. D'ailleurs, il n'oubliera jamais la journée du 12 octobre. Ce jour-là, il arrêta la chaîne de montage et près d'un kilomètre de Saturne s'immobilisèrent. Une minute suffit pour réparer la pièce, mais il comprit alors que chacun pouvait livrer un produit parfait si on lui en donnait la chance. Chez Saturne, on lui a donné cette chance. Qu'est-ce qui est chaud dans les cuisines Kraft? Les papillotes de légumes au barbecue Cheese Whiz, avec le petit goût mordant du Cheese Whiz. Sur deux épaisseurs de papier d'aluminium, déposez des légumes et ajoutez du fromage fondu à tartiner Cheese Whiz. Repliez le papier, scellez et percez. Faites cuire sur le barbecue 15 minutes à feu modéré. Toute la saveur est scellée à l'intérieur. Cheese Whiz ajoute de la personnalité à notre papillote de légumes. C'est ce qui est chaud dans les cuisines Kraft. Bien manger, bonne idée. Vous croyez qu'il est impossible de faire briller vos planchers à l'aide d'un simple balai? Détrompez-vous! Rien n'est plus efficace que le balai Oscar Magnétique. La bande électrostatique du nouvel Oscar emprisonne poussière fine et poils d'animaux qui échappent au balai conventionnel. Et vous n'avez qu'à l'essuyer pour l'en débarrasser. Il balaie tout, le bois, la céramique, le linoléum. Il est flexible et mou et n'endommagera donc pas vos meubles. Le nouveau balai Oscar Magnétique, un nouvel essentiel proprement efficace pour votre propre bien-être. C'est quoi ça? Un article sur la communication et le langage. Oh. C'est, c'est,
C'est savant. Ah ouais? Ouais. Mais c'est pas facile à comprendre quand t'as ce maudit bruit-là dans les oreilles. Je sais pas ce qu'il fait depuis deux jours. Il nous casse les oreilles avec cette chanson-là. Au moins, s'il faussait pas. Il retient de toi. Je te demande bien pardon. J'ai déjà fait partie d'une chorale, moi. Moi aussi. Je faussais. Donc, fais mon cœur si loin de toi. Écoute, entends mon cœur qui pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-tu arrêter ça, ce faussage-là? Je compose une chanson. Tu composeras quand tu seras tout seul à la maison. Qu'est-ce que ça dérange, hein? Ta mère et ton père, imagine-toi donc. Puis je suis certain que ça dérange Diane aussi. Pourquoi pas Alexis qui est au Costa Rica quand t'as y être? Ben oui, pourquoi pas? Ça te fait chier parce que j'ai du talent. Du talent? Jerry Bois, c'est la meilleure que j'ai entendue depuis longtemps. Si tu joues encore une note, je la débite en petits morceaux. T'as pas l'air dans ton assiette ce matin, mon gros loup. Oh, j'ai mal dormi. Puis j'ai écœuré de m'engueuler avec lui. Ouais, c'est pas toujours facile. Il parle pas. En plus de l'avoir sur le dos ici, je l'ai sur le dos à la télévision. C'est pour posant. C'est juste pour les vacances. Il se prend pour un artiste. Je pense qu'il veut suivre tes traces. Hey, compare-nous pas au moins. Des fois, je me demande si je fais pour la télévision. Écrire, c'est dur, mais t'es plus libre, tu peux travailler quand tu veux, t'es ton propre boss. Veux-tu que je te dise quelque chose, Marcel? Ouais. Quand les classes vont reprendre, puis que Clément sera plus à la TV communautaire, tu vas reprendre goût à tes lucions. Ouais, peut-être. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon gros loup. Comment tu penses qu'on vit toutes les deux? J'ai même plus les moyens de m'acheter d'orange. Je suis obligée de prendre du jus en conserve. Mais toi, par exemple... Oh, hey, essaye pas, hein? Catherine me rabat les oreilles avec tes maudites oranges biologiques chaque fois qu'elle revient de chez toi. Puis là, tiens, je vais être encore obligée de faire ressemeler ses souliers. Ils sont faits! Ben oui, bon, elle me l'avait pas dit, puis... Ben normal que tu lui payes une paire de semelles une fois de temps en temps. Tu pourrais m'en payer aussi, tu me fais assez marcher. Ben, tu vas avec la pension que tu me donnes que je... Hey, encaisse, OK? Parce que moi, je peux rien encaisser. J'ai pas encore reçu ton chèque. Non, on est le 3. Le chèque, c'est le premier du mois qui doit rentrer. Non! Non, je ne ferai pas de concession. J'en ai déjà trop fait. Non! Une minute! Catherine, tu vas aller manger avec ton père ce soir, puis tu vas me ramener le chèque. Est-ce que t'as compris? J'ai rien d'autre à te dire. Tu m'écœures assez avec ton argent. Oh, Catherine Paquette, l'air du temps, ça a jamais nourri personne. Mais c'est pas comme une carte du ciel! Catherine Paquette! Allô? Diane? Oh, excuse-moi si j'étais un peu sèche. Je pensais que c'était... encore une enquête téléphonique. Ben oui, tu sais, ils viennent encore de m'appeler pour une histoire, là. Ben oui, tu sais, quel savon tu utilises? Combien de douches tu prends par jour? Des niaiseries, là. Ce soir? À la pizzeria? Mm-hmm. Ben... Ah! Si tu m'invites, là, ça se refuse pas. Justement, là, Catherine va aller manger avec son père ce soir, fait que je suis toute seule. Oui? Ben, c'est parfait! 7h30? OK. Ciao! Moi, je le peinturerai en rouge, votre décor, M. Fortin. Non, pas de rouge. Le rouge, c'est... Chéri Boire! Clément Fortin! Qu'est-ce que je t'ai dit hier? Non, le mot de métaume! Hey, salut! Non, c'est pas vrai. Je veux mes comptes pas, puis c'est OK, là. Pense à quoi? Il t'aurait besoin d'un coup de main. Les nerfs, OK?
J'ai besoin de mes corn pops, leur bon goût de maïs, mais qu'on en veut toujours plus. Donc là, j'ai plus de monnaie, je suis en retard, toute l'école me regarde. T'es mieux de me donner mes corn pops, sinon... Tu vois, ça marche tout le temps. Les corn pops de Kellogg, un élément important d'un petit déjeuner complet. Y a rien comme mes corn pops. Moi, je vis avec mon temps, le progrès. Pour révéler une peau nouvelle, j'ai découvert Plénitude Excel A3 au triplacide de fruits. Innovation des laboratoires de L'Oréal, le triplacide de fruits d'Excel A3 chasse les cellules mortes et révèle une peau nouvelle. Excel A3 aide à combattre les signes du vieillissement et aide à protéger la peau des agressions extérieures. Excel A3, un résultat prouvé. Une peau plus lisse jusqu'à 54%, un teint plus éclatant jusqu'à 71%. Jamais ma peau n'a été aussi jeune. Nouveau Plénitude Excel A3 de L'Oréal aide à réduire les signes du vieillissement. Une petite chose, toute simple. Pourtant, grâce aux œuvres Ronald McDonald, cette petite chose a tout changé pour Mathieu. Mathieu? Demain, c'est le grand McDo. Et McDonald versera des œuvres de charité pour enfants, $1 pour chaque Big Mac ou pizza vendue. Demain, ayez du cœur au ventre. Je suis petite Pampers et je vois que Sophie porte la nouvelle Pampers Plumes. C'est moi. Est-ce que Simon, lui, porte la nouvelle Pampers Mess? Oh non. Allô, c'est là. Regarde, les nouvelles Pampers Ultra Sèche-Mince sont tellement plus minces. Et pourtant, c'est absorbant, tu vois? Les Pampers Mess absorbent facilement. Un, deux et au besoin, trois gros mouillages. Oui. Les nouvelles Pampers Ultra Sèche-Mince. Bébé est au sec et maman est en confiance. Yeah. Regarde, Sébastien, là-bas. Oui, Julie. Ils ont cassé. Hey, c'est pas vrai? Qu'est-ce qui fait qu'avec Noxzema, on attire l'attention? Louise, savais-tu ça? Louise? Oh, je pense qu'on va aller faire un petit tour. C'est que la peau paraît si saine qu'elle rayonne. Noxzema nettoie la peau en profondeur et enlève poussière et excès d'huile sans sursécher comme le peuvent certains savons. Noxzema aide à maintenir l'hydratation de la peau pour une apparence douce et saine. Avec Noxzema, on vous remarquera. C'est notre faute aussi. Mais voyons, Marcel. Comment ça? Clément, il était gaucher quand tu étais petit. Mais oui. Tu sais, tu l'as assez chicané parce qu'il a toujours écrit de la main gauche. Mais j'ai fait comme on m'a montré. Tes parents ne disaient pas qu'il fallait écrire de la main droite. Oh oui, la maîtresse d'école aussi. Mais moi, c'est pareil. Ben, ils viennent de découvrir que c'est pas correct de changer la main de quelqu'un. Ah ouais? Hein? C'est pas grave d'écrire de la main gauche. Dans l'article que j'ai lu, c'était bien marqué. Qu'est-ce qu'il disait? Le cerveau s'est divisé en deux. Ouais. L'hémisphère gauche puis l'hémisphère droite. Le gauche, si je me souviens bien, ça contrôle la parole. Ah. Tandis que le droit, ça contrôle les gestes. En tout cas, ça marche en X. Croisé, comprends-tu? Ah ouais. Ah, c'est pas facile à comprendre. Même moi, j'ai pas tout saisi. Ah. Mais tout le monde n'a pas le cerveau fait pareil. Si tu forces un enfant gaucher à devenir droitier, ouais. Ben tu peux le mêler dans sa tête. Je suis certain que c'est ça qui est arrivé à Clément. Ça se croise plus. Ça fait qu'il y a bien de la misère à communiquer. Mais il a juste à commencer à écrire de la main gauche. Il est trop tard, maman. Le mal est fait. Clément, il est fucké, comme il dit. Puis c'est de notre faute. Oh, tabarouette! Qu'est-ce que tu fais là? Faut lui mettre de la glace pour pas que son œil enfle trop. Mais c'est un steak, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais j'en ai pas. Ah oui, j'en ai acheté exprès. C'est la deuxième tablette. Du filet mignon, pour ça. Aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du steak. Du steak? Pourquoi tu me mets ça? C'est froid. Oh, ça va te faire du bien. Tiens. Tiens, t'as des barbouillettes avec ta main, là. Appuie bien sur ton œil et ta joue. C'est Marcel qui a acheté le steak. Lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Clément, je te parle! Il s'est rien passé. Oh. Ben, j'étais avec Véro.
Ah, oh, laisse faire. C'est la fille dont tu parlais hier, ça? Clément! Oui, c'est ça, c'est la fille de M. Chartier. Et puis? Ben, on est en train de niquer en arrière d'un décor, puis... lui est arrivé, puis il m'a sauté dessus comme un sauvage. Dors. Dors, ça va te faire du bien. Quand on dort, on oublie son mal. Sors-tu? Oui, je vais souper avec Noëlla, je l'ai invitée. Ah! Veux-tu venir avec nous autres? Non, non. Les circonstances, je vais m'autant rester à la maison. Les circonstances? Quelles circonstances? C'est à cause de Clément puis de Marcel. Ils se sont encore pris aux cheveux? Bien pire que ça. Il l'a frappé. En pleine face. Tu me fais marcher. Non, non. Il l'a trouvé en train d'embrasser une fille, puis... Saint, qu'est-ce qu'il lui a pris? Embrasser une fille, c'est normal, non? C'était la fille du boss. Mais la fille du boss, puis après? Marcel avait prévenu Clément que ça se faisait pas. Frapper son fils non plus, ça se fait pas. J'ai juste envie de pleurer, Diane. Je vais décommander Noëlla, puis on va souper ensemble. Non, okay? Non, change rien, t'as pas grave, non. T'es sûr? Oh oui, je suis certaine. Je vais lui parler, moi, Marcel. Non, non, ça serait pire. Je sais comment le prendre, puis c'est pas le temps. Il est malheureux, il ronge son frein. Il regrette. Mais tu sais comment ce qui est orgueilleux? Les hommes, ils veulent jamais admettre leur tort. Ça a été pareil avec Josette. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui. S'il s'est excusé comme je l'avais demandé, elle ne serait jamais partie. Mais qu'est-ce qu'il lui avait fait? La même chose. Il l'avait trouvé en train de faire la chose sur le divan avec son petit ami. Mais tu m'avais dit qu'elle était partie d'elle-même? Elle est partie d'elle-même aussi. Et à cause de ça. Puis vous avez jamais levé le petit doigt pour la retrouver? Ben oui, moi, c'est sûr, souvent. Mais Marcel, lui, il tient sa mort. Il veut pas l'entendre parler. Parce qu'il le regrette. C'est tellement plus simple de se parler. J'ai peur, Diane. J'ai peur que Clément finisse par faire la même chose que Josette. Il faut que Marcel s'excuse. Ben, t'as raison, il est trop vieux pour toi. Voyons donc, Noëlla. On a pratiquement le même âge, Giovanni et moi. Mais c'est ça que je dis. Il est trop vieux. Tu chantais pas la même chanson l'an passé quand t'as passé la nuit avec lui? T'es pas sérieux, voyons donc. Hey, c'est fini le temps, il fallait toujours que le mari soit plus vieux. C'est pas d'un père dont on a besoin. C'est d'hommes, des mâles, des vrais. Ben, c'est la dire, mais... As-tu déjà fait faire ta carte du ciel, toi? Non. Tu devrais. Si jamais ça te tente, je connais un très bon astrologue. J'ai d'autres priorités. Ben, n'empêche que c'est intéressant de savoir ce qui nous pend au bout du nez. Moi, par exemple, je devrais avoir beaucoup de chance en amour dans les mois qui viennent. Faut que je me rende disponible, par exemple. Vous n'aimez pas ma croûte? Oui, oui. Oui, mais vous ne la mangez pas. Notre ligne. Et vous allez prendre du dessert? Peut-être. Qu'est-ce que je vous sers, alors? Noëlla, qu'est-ce que vous suggérez? Oh, je viens de faire un sorbet qui est du tonnerre de Dieu. Un sorbet à quoi? Ben, le meilleur, fruit de la passion. Oh, c'est en plein pour moi, ça. Je vais en prendre moi aussi. Vous allez voir, vous en redemanderez. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure quand tu disais « il faut que je me rende disponible »? Si je veux que ça clique avec un homme, je peux pas toujours avoir Catherine dans les jambes. Surtout un homme plus jeune, un enfant, là, ça va lui faire peur. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Elle est là, Catherine. Je peux la convaincre d'aller vivre chez son père. Tu ferais ça? Ben oui, pourquoi pas. À son âge, là, un ado, là, ça n'a plus besoin de sa mère.
C'est un homme, un père dont tu as besoin. C'est vrai. Je gage n'importe quoi que quand Alexis va revenir du Costa Rica, il va être complètement transformé puis accroché à son père. Savez-vous que chaque fois que vous portez un bâtonnet Juicy Fruit à votre bouche, vous ne pouvez vous empêcher de remarquer son goût sans pareil. En fait, la saveur unique de Juicy Fruit, ce goût hors de l'ordinaire, vous distrait de tout ce qui n'est pas Juicy Fruit. Non, Francis mange encore la Juicy Fruit. Juicy Fruit, le goût hors de l'ordinaire. Méfiez-vous des apparences. Qui assouplit plus de brassé? C'est Ultra moins concentré, cette marque populaire nationale gros format ou Ultra Downy? Enlevons l'eau de ces deux-là et voyons ce qu'il reste d'assouplissant. Ultra Downy a plus d'assouplissant, mais oui! L'ultra moins concentré donne seulement 25 brassées et le gros format seulement 36. Ultra Downy donne 50 brassées, presque un tiers de plus. Ultra Downy, ultra douceur, plus de brassées et meilleur rapport qualité-prix. Jean-Luc Brassard, médaillé d'or canadien aux Jeux Olympiques. Pour remporter l'or, il faut être déterminé. Je dois aller au bout de moi-même pour donner le maximum. Mais ça laisse mes cheveux dans un état lamentable, incontrôlable. C'est pourquoi j'utilise Prêt Plus. J'essaie d'autres deux dans un, mais Prêt Plus agit et me donne le contrôle dont j'ai besoin. Prêt Plus contient des revitalisants qui aident à contrôler, à lisser chaque mèche et à rendre vos cheveux plus faciles à coiffer. Avec Prêt Plus, je ne m'en fais pas. Je contrôle mes cheveux. Une équipe gagnante pour des cheveux faciles à coiffer. Pour se dépasser, il faut avoir le contrôle. Tout récemment, les Reed ont loué une Saturne parce qu'ils voulaient être certains d'apprécier leur voiture chaque jour. Ils voulaient aussi être certains d'apprécier leur voiture chaque mois. Saturne, pour faire tout autrement. Moi, je vis avec mon temps, le progrès. Pour révéler une peau nouvelle, j'ai découvert Plénitude Excel A3 au triple acide de fruits. Innovation des laboratoires de L'Oréal, le triple acide de fruits d'Excel A3 chasse les cellules mortes et révèle une peau nouvelle. Excel A3 aide à combattre les signes du vieillissement et aide à protéger la peau des agressions extérieures. Excel A3, un résultat prouvé. Une peau plus lisse jusqu'à 54%, un teint plus éclatant jusqu'à 71%. Jamais ma peau n'a été aussi jeune. Nouveau Plénitude Excel A3 de L'Oréal aide à réduire les signes du vieillissement. Je vous remercie de m'avoir fourni l'occasion de travailler dans la télévision pendant mes vacances d'été, mais je voudrais vous donner ma démission. J'étais content de votre poste, mais le studio est, comme on pourrait dire, trop petit pour mon père et pour moi. J'aime mieux lui laisser la place. Bien à vous, Clément Fortin. T'es sharp aujourd'hui. T'es pas allé travailler? Non. J'allais au poste, mais c'était pas pour travailler. C'était pour démissionner. Hein? Oui. Moi, travailler avec mon père, c'est fini. Et qu'est-ce que tu vas faire pour la reste des vacances? Moi, je vais me préparer pour mes nouvelles fonctions. Tu vas pas à l'école à l'automne? Oh, non. Terminé. Je n'apprends plus rien à l'école. Mais qu'est-ce que tu vas faire? La radio. Je te dis. Où? À CJVM. CJVM. J'ai jamais entendu parler. Vous avez une Marie dans le Témiscamingue.
Mais Témiscamingue. Jamais entendu parler non plus. Mais voyons, mais c'est proche de l'Ontario. Ah! Oh. T'es engagé? Non, mais ça va se faire, par exemple. J'ai écrit une lettre à ma sœur Josette. T'as une sœur? Ouais. Mais disons qu'elle est comme le boss à CJVM. Ce qui s'est passé entre mon père et moi. Hey, il est Everard, ton vieux. Mais là, t'es malade. C'est clair que Josette va m'engager. Elle aussi, elle s'est sauvée de la maison. Elle pouvait plus sentir mon père. C'est gros, ça, Témiscamingue? Je sais pas, mais Ville-Marie, c'est quand même assez petit. J'y étais une semaine l'année passée. Mmh. Ouais. Ouais. Une fugue. Je restais au dessus d'un restaurant chinois. Mais là, on va se louer un appartement. Tu vas rester avec ta soeur? Ben non. Avec toi. Hey, tu me niaises? Ben non, je te niaise pas. Ça va être le fun en mort, tous les deux. À part de ça, Josette pourrait essayer de te trouver quelque chose comme job. Hey, t'es débile, Clément. Si tu penses que je vais aller m'enfermer dans un trou... Mais quoi, je... on louera pas un trou. Mais non, je parle du... ta place, là. J'ai pas envie d'aller rester avec toi non plus. Comment ça? Mais voyons, Clément, arrive en ville. Chez nous, là, j'ai quasiment la maison à moi toute seule. Mes vieux sont jamais là. En plus, on a la maison dans le nord, le gros yacht sur le lac Champlain, le voilier des Antilles. Hey, l'année prochaine, je vais avoir mon char. Tu n'aimes pas, c'est ça? Ben, je te trouve correct, mais c'est rien qu'un kick. Un kick. Ben, comme Toto, comme Guillaume, comme JP. C'est qui, ces gars-là? Ben, des copains, cette affaire. Tu fais l'amour avec eux autres aussi? Ben... mais pas tous, là. Ben, rien de la vie, c'est juste pour le fun. Le gros JP, lui, il est gay, ça fait qu'il se passe rien. Moi aussi, c'était pour le fun. Mm-hmm. Pourquoi faire que t'as dit que tu m'aimais? Ben, c'est vrai, mais pas pour aller rester avec toi. Tu sais, même comme coloc, là, je viendrais t'année de te voir. Je fais comme ça, moi, j'aime le changement. Veux-tu que je te dise quelque chose, Véronique Chartier? Tu me fais chier. Tu me fais chier au cube. Putain, t'en payeras la pizza. Hey, oh, que Clément mange pas tes bas? Ben, tu sauras que je suis capable de payer la pizza. Tiens ton maudit argent. Tic, fais la pluie sur le trottoir. Toc, fais mon cœur qui bat pour toi. Maudit cave! Oui? Salut, Diane. Salut! Et saint, il t'a pas manqué? Ouais. De quoi tu parles? Ben, de ça. Ah. Qui est-ce qui t'a dit que c'était Marcel? Nicole. Elle est malheureuse, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que ça change? Elle va finir par faire admettre à Marcel qu'il a fait une bêtise. Lui, il veut jamais rien savoir. C'est pas un mauvais gars, Marcel. Mais il comprend pas toujours. Dis donc qu'il comprend jamais. À l'heure qu'il est, je suis certaine qu'il est plus malheureux que toi. De toute façon, je m'en sers que j'ai démissionné. Mais voyons donc, Clément, faut jamais démissionner. Vous allez finir par vous comprendre, Marcel pis toi. Non. Je veux dire, j'ai démissionné de ma job d'été. Hein? Mais t'aimais ça, la télévision? Ah oui. Hein, je veux plus travailler avec Marcel. Jamais. Mais qu'est-ce que tu vas faire de tes 10 doigts pendant le reste des vacances? Réfléchir. Avec tes doigts? Tu ferais mieux de bouger. Moi, plus je réfléchis, plus ça va mal. Moi, ça va mal tout le temps. Fait que ça change pas grand-chose. Même les Italiens réussissent pas de pareil. Ça sent bon. Veux-tu rester à souper avec moi? Ah, ben oui. Mais la table. OK. Hey! J'en ai une job pour toi, moi! Dans le taxi? Ben non, ici! J'avais pensé rafraîchir la chambre d'Alexis avant qu'il revienne, si tu veux m'aider. Ouais, la chambre d'Alexis. C'est pas l'enthousiasme qui t'étouffe. Mais t'en fais pas, je vais te payer. Non, c'est pas ça. C'est quoi, alors? Je sais pas. Demande-moi ce que tu veux, je vais te le payer. Ouais. Ben dans ce cas-là, tu m'en donneras juste assez pour mes petites dépenses, ça va être correct. C'est un deal. Je dirais à Alexis que c'est ton cadeau pour son retour. Ah non, c'est pas nécessaire. J'aimerais mieux qu'il pense que c'est toi qui as tout fait.
C'est gentil. Bon, ben, je me dépêche, hein, j'ai faim. T'avais averti qu'il mange en haut? Oui, son assiette est là parce que j'y mets à table trop de bonheur. Salut. Salut. T'as bien mangé en haut? Oui, mais j'ai trop mangé. Je m'endors. Bonne nuit. Clément. Oui. Excuse-moi pour hier, c'est parti de seul. Plus tard, tu vas comprendre que c'est pas facile de pas se fâcher quand on se fait tout le temps niaiser par son garçon. Ben parle, Clément, c'est à ton tour. Moi, je me suis excusé. C'est correct, pas. C'est bien correct. Oh, je suis donc contente que vous soyez réconciliés. Vous allez voir, on va tous mieux dormir. La chicane, ça mène nulle part. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Je sais que j'aurais pas dû fesser. Mais tu vois, on dirait que ça y a fait du bien. Les jeunes sont fuckés parce qu'il n'y a plus d'autorité. J'espère que tu dis vrai, Marcel. Oh. Tu parles d'une heure. Oh, lui, là, si je l'avais devant moi, je... D'une heure. Mais quoi? J'étais avec papa. Ben justement, ton père, il devrait savoir qu'on rentre pas à 11h30 le soir quand on a ton âge. Il excite pas le poil des jambes, là, je suis en vacances. Ben pas moi. Puis quand je me couche pas de bonne heure, tu le sais. T'as les yeux pochés le lendemain. Catherine, est-ce que t'as mon chèque? Ben oui. Merci. L'autre moitié, quand est-ce que je vais l'avoir? Tu le sais pas? Ben oui, dans un sens, oui. Dans quel sens, Catherine? Ben, papa puis moi, on a quelque chose à te dire. Comme d'habitude, il pouvait pas venir lui-même, c'est toi qui fais la commission. Ben, tu veux pas qu'il mette les pieds dans la maison? Ben, il y a le téléphone! Au téléphone, tu fais rien que l'engueuler! Hey, moi, ça va faire un niaisage! Qu'est-ce que vous avez encore comploté? Prends pas ça personnel, maman. Catherine, aboutis! Mais j'ai décidé que j'aimerais mieux aller vivre chez papa. Oui? Je viendrai souvent. Toutes les fins de semaine. Je viendrai la semaine aussi, si tu veux. Qu'est-ce que t'en penses? La pension? Mais papa, il a dit qu'il continuerait de t'en payer la moitié. Oh oui? Tu partirais quand? Cette semaine. La semaine prochaine, si tu préfères. Non. Disons cette semaine. T'es d'accord? Mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, t'es une folle, maman! Oh, merci beaucoup, hein? Je le savais qu'il finirait par gagner. Mais voyons, maman. Il n'y a pas personne qui gagne ou qui perd. Mais au lieu de rester ici, j'irai chez papa. Mais t'es toujours ma mère. Je le sais, mais... C'est difficile de voir partir sa fille, tu sais. Hey. Tu disais toujours que t'avais hâte que je parte pour que t'aies le champ libre. Ouais, c'est vrai, mais... Je... En tout cas, on dit pis ce qu'on pense, là. Ouais, toi surtout. Catherine Paquette. OK. Bonne nuit. Bonne nuit, ma puce. L'astrologie, c'est fort en pas pour rire.
De l'Auto-Québec, des montagnes de dollars à gagner, 5 jeux à gratter, avalanche d'argent. Grattez-en un. Que soit trempé ou nature. Les Golden Crisp de McCain sont les meilleures frites à jamais sortir de votre four. Coupe régulière et cross tracks, des pommes de terre frites tendres et croustillantes à la perfection. Dégustez les natures ou avec votre trempette préférée. Qu'elle soit trempée ou nature. Les cross tracks de McCain, légèrement enrobées, à la fois croustillantes et tendres. Qu'elle soit trempée ou nature. Les Golden Crisp de McCain au repas, à la collation, en tout temps. Vraiment les meilleures frites à jamais sortir de votre four. Je suis une mère de 35 ans et je raffole des céréales pour enfants. Écoutez ces gens exprimer leur passion pour les Kellogg's Frosted Flakes. Mes enfants me demandent pourquoi la boîte se vide si rapidement. Je leur dis la vérité. Les ratons laveurs. Les flocons extra croustillants et délicieusement givrés des Frosted Flakes. Le moment est venu d'en parler ouvertement. Gêne, angoisse, culpabilité. C'est comme ça quand on aime une céréale pour enfants. Pas besoin d'être enfant pour aimer les Kellogg's Frosted Flakes. Un vrai régal. J'ai même un faible pour le tigre. En arrière comme en avant, sans ceinture, ça cogne dur. Le samedi soir, je garde les yeux grands ouverts quand elle joue avec le feu. Il va sans dire qu'elle apprécie mon comportement. On peut toujours sortir quelques millions d'une banque. Encore faut-il être capable de les sortir de la ville. Hold up à New York, vendredi 19h à TVA. Star Plus, eh bien, Rock Voisine lance son nouvel album. France d'amour nous dévoile quelques secrets et Jean-Marc Parent fait encore une fois la conquête du forum. C'est à ne pas manquer. Star Plus, vendredi, 21h. Ouh, Clément, es-tu là? Oui, je suis dans la chambre, Alexis. Wow! Et c'est Alexis qui va être content. T'as fini toutes les retouches? Ah ouais. Ben, je vois plus de défauts. Ça faisait tellement longtemps que je voulais rafraîchir sa chambre. Dans deux jours, il devrait plus avoir d'odeur de peinture. Ah non, d'autant plus que c'est de la peinture qui sent pas. Qui est supposé pas sentir. Arrive, nous a acheté de quoi faire un beau souper. OK. On va même se taper une petite bouteille de vin. Ah, c'est le fun. En tout cas, on peut dire que t'as gagné ton argent. Est-ce que tu vas venir avec Catherine et moi chercher Alexis à l'aéroport? C'est quand? Après-demain. Quelle heure? Oh, il faudrait être à Mirabel vers 4 heures. Là, c'est parce que... Mais je suis supposé rencontrer quelqu'un pour une job. Une job? Ouais, petite job là pour finir les, mes vacances. Alexis va être désappointé à pas pour rire. Ouf. C'est évident, vous vous êtes pas vu depuis 2 mois. Je m'ai même pas écrit. Moi, j'ai reçu une seule lettre. Il doit avoir la tête ailleurs. Ouais. Veux-tu que je t'aille pour le souper? Non, toi, tu t'assois, je m'occupe de tout. T'as assez travaillé pour aujourd'hui. Hmm? Veux-tu que je te dise quelque chose, Diane? Je trouve ça têteux en maudit, un gars qui passe l'été chez son père quand il l'a jamais vu de sa vie. Sais-tu, Clément, je pense que je vais te donner un vin en bonnie.
Ça tomberait bien. Donne-moi donc mon portefeuille qui est dans mon sac sur le comptoir, qu'on règle nos comptes pendant que j'ai ça dans le bras. Je regardais ça sur la map monde. Le Costa Rica, c'est loin en Géribois. Aussi loin que l'Europe? Ah, ben ça dépend d'où tu pars. Pour nous autres, c'est presque la même distance que Paris. Mais t'es pas obligé de traverser l'océan. Ah, ben non. Ah, moi, c'est ça que j'aimerais pas en avion. Ben voyons, Nicole, que tu sois au-dessus de l'océan ou au-dessus de la terre, tu t'en rends même pas compte. Oui, mais au-dessus de la mer, tu peux pas atterrir. Un avion, ça flotte? Oui. Oui, mais pas longtemps. Ben, je pense qu'il arrive. Moi, j'ai hâte, dis-moi, la bête, ta petite Géribois. Lève-la! Ah, bien taxi! Shit, c'est le fun, tout le monde est là! Hey! Hey! Oh, grandis-toi! Il est beau! Il est grand! Il est grand! Il est plus grand! Salut, mon homme! Où est-ce qu'il est, Clément? Ah, il y avait un rendez-vous pour une job. C'est plate. Bon, mais il va sûrement venir après. Allez, Marcel, ouvre la bouteille de mousseux. J'ai une surprise pour Alexis. Viens, mon Alexis. J'en mets une petite gorgée. Surprise, surprise! Tu peux ouvrir tes yeux maintenant. Qui? Chut, que ça fait bébé, j'en reviens pas. Alexis! C'est correct, ma... C'est bien correct, maman. Événement heureux pour les jeunes de Chambre-en-Ville. Voyez ce qui se passe à la pension, demain, 19h.